How exciting is that? Quel rush, hein, de descendre d'en bas. On était tellement excités qu'on avait oublié la vidéo. On voulait parler tout de suite. On remercie les gens de décalade.com qui nous ont gardés en vie. C'était facile? Oui, mais pas pour toi la première répétition. La première fois, j'ai pleuré, mais là, cette fois-ci, j'étais capable de contenir mes larmes. Ça s'est bien passé. On n'est pas ici pour parler de décalade, cependant. Non. On est ici pour parler de Marvel Universe Live. Un spectacle qu'on a eu la chance de voir du côté de New York au mois d'août dernier. Et la bonne nouvelle, ça s'en vient à Montréal au mois d'août prochain. Listen, if you're a superhero fan, and I am a superhero fan, it runs skin deep in me. I still remember buying comic books when I was a little kid, my grandfather taking me and buying me my first Spider-Man comic, and this is comics come to life. This is one of the best shows that I've ever seen in my life. I got goosebumps watching that video, and you are going to be blown away. Oui, il fallait voir, les journalistes étaient en avant, mais il fallait voir les enfants derrière qui réagissaient à chaque fois qu'un super-héros arrivait. Spider-Man était là, Hulk, Wolverine, ils sont tous là. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et est-ce que derrière, est-ce que vous aimez Loki? Hein? Le méchant Loki? Encore une fois, ben, il sera de l'aventure. Loki's there, the Green Goblin's there, all your favorites are there. But why don't we introduce somebody else who's our own superhero here in Montreal? En fait, c'est la super-héros d'Evenco, Sandra Rinaldi. Director of Marketing and Promotion, Sandra Rinaldi. Merci beaucoup. Merci d'être nous aujourd'hui pour cette grande annonce. Evenco est super fier, mais surtout excité de recevoir ce grand, grand show à Montréal, l'univers Marvel en spectacle, Marvel Universe Live, du 20 au 23 août, ici, dans notre maison au Centre Bell. Les billets seront en vente le 7 février à midi, si vous voulez rappeler de ça. 25 de vos super-héros et vilains s'assemblent pour ce show spectaculaire. Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk, Wolverine et plusieurs autres essaieront de débattre Loki. Est-ce qu'ils sauveront de l'univers? Let's cross our fingers. Maintenant, j'ai l'honneur de vous introduire quelqu'un de vraiment important qui est venu ici pour nous parler de ce super spectacle, un des créateurs et le directeur des opérations, Chris Nobles. Hello, everyone. I'm very excited to be here in Montreal at the Bell Center and talk to you a little bit about Marvel Universe Live. Feld Entertainment worked very closely with Marvel for over 2 years, working specifically with Chief Creative Officer Joe Quesada to bring you this show. Within those 2 years, Feld Entertainment had over a year of research and development to create the amazing special effects and movie-style stunts that you're going to see here in Marvel Universe Live in August. Some of those special effects that you will see is one of the world's smallest white lasers ever created to create Spider-Man's web slingers. A car that flips over every show that you saw in the video. One of the highest motorcycle vertical jumps. A special suit that allows us to set Killian on fire every single show. And a 21-foot spiral ramp that collapses flat. And for the first time ever, Marvel Universe Live is the only place where you can see the Incredible Hulk brought to life. To find our cast of almost 55 performers, Feld Entertainment held auditions all over the United States to find the best athletes, stunt performers, motorcycle riders, and martial artists to help bring the 25 Marvel characters to life. In order to transport the audience into the Marvel world, we developed 18 unique scenes with the use of projection mapping technology. We map not only the floor and the stage sets, but we also track the moving props and the performers on the ground and in the air. Marvel Universe Live was one of the first shows to ever make this happen. We're all very excited to be able to share Marvel Universe Live with everyone here at the Bell Center in Montreal this August. Thank you for having us. Maintenant, Francis, ce qu'il faut retenir de ce discours, c'est que les spectateurs ressentiront vraiment l'énergie des effets spéciaux, pyrotechnie, cascade aérienne, cascade de moto, arts martiaux, c'est vraiment tout dans le spectacle. C'est vraiment un spectacle les plus avancés techniquement, donc c'est jamais été produit comme ça. On est vraiment excités de l'avoir à Montréal, comme qu'on a dit, et maintenant, pour en parler encore plus de la technique au Centre Bell, notre directeur de production, Patrick Fortèche. Bonjour, bonjour. Vous savez, pour nous, lorsqu'on reçoit un dossier sur notre bureau, le département de production, puis
La plupart des dossiers ont 30 de pages. Celui-là est 4 fois 30 pages, plus les effets spéciaux. Alors, c'est tout un challenge pour nous qu'on avait. La première chose qu'on m'a posée comme question, est-ce que ça fit? Ça rentre-tu au Centre Bell? Est-ce qu'on est capable d'accrocher tout ça sous le grid? Alors, on a fait des recherches. Je parlais aux ingénieurs. Vous savez qu'ici, au Centre Bell, on a des capacités maximales qu'on peut accrocher. Puis, quand on regarde Marvel, on parle de 141 000 livres qui est accroché sous la surface de la glace. C'est énorme. En capacité hivernale, nous, ici, au Centre Bell, on parle de 152 maximum qu'on peut accrocher l'hiver. C'est sûr que l'été, on parle d'au-dessus de 200. Alors, c'est tous des challenges qu'on avait à vérifier pour nous, le département de production. Ensuite, le nombre d'accrochages, les points d'accrochage, les chaînes que vous voyez au-dessus de la scène, la plupart du temps, on parle de 60, 70, 75. Ici, on parle de 128. C'est énorme, encore une fois. Au niveau des camions de production, ils vont arriver 3 jours, 4 jours avant le 20 août pour la première. Ça prend 3 jours montée de spectacle, juste ici au Centre Bell. On parle de 28 camions de production qui vont être livrés ici au Centre Bell. Encore là, des shows ordinaires, on parle de 6, 7, 8 camions. J'ai quelques petits comparatifs pour vous, vous impressionner. Vous savez que si on accroche toutes les trosses, qu'on parle des ponts d'accrochage, un par-dessus l'autre, c'est aussi haut qu'une des tours du World Trade Center. Alors, c'est assez haut, merci. Ensuite, au niveau du câblage électrique, on parle ici de le Golden State, le pont à San Francisco. On parle 2 fois aller-retour de câblage. Le pont Golden State a 2737 mètres de long. Alors, c'est 2 fois ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement. Ensuite, les effets spéciaux, juste le feu, la pyro, les explosions, ça va être assez impressionnant. Il y a un homme qui va brûler pendant 35 secondes sur la surface. C'est assez spécial, ça aussi. Ensuite, vous connaissez le Centre Bell, vous connaissez le Canadien. Vous savez, quand on fait de la projection sur la glace, on parle ici de 21 projecteurs qui utilisent Marvel. Quand on fait un show du Canadien, on en utilise 12. Puis là, on couvre la surface. Alors là, on en a 21. Alors, toutes ces petites choses-là, il a fallu nous valider puis pour arriver le 20 août prêt pour vous recevoir. Alors, c'est cela. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Oh, sorry for our English viewers. There's a few notes that I can talk to you in English that are very impressive. As we speak about the trussing length of the event Marvel, we're talking about the size of the World Trade Center. So it's pretty long and up in the air. Also, we're talking about cabling, the feeder that will feed the event. We're talking about 2 times the Golden State Bridge going all the way. So it's pretty impressive. So also the thing I need to talk about is the weight of the event comparing to other shows we have here. We're talking about 141,000 pounds. It's things that we don't see very often here at the Bell Center. So thank you very much for your time. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions, les médias? Est-ce que vous avez des questions, les fans en haut? No questions. Oh, Christine. You can? That's amazing. We'd like to see selfies of that. Shh. Stop it. This incredible show, I don't know if you've seen the video that we posted before, is just an amazing, we've all seen the show, yeah. The three of us. It's just such an amazing, it's visually like flawless.
So the characters are live in front of you, flawless. The pyrotechnics, all the technical stuff of it is just so good. And the story is fun. It's an actually original story, and you actually get totally into it, like you're at the movies, but it's all in front of you. It's really cool. And if I can say for the purists, for the geeks, like the real Marvel geeks, I know for a fact, yeah, I know there's some there, Joe Quesada himself worked on this show and oversaw everything down to a T. So this is great, it's authentic, and I'm a Marvel fan and I'm a Marvel critic, and I was elated after I saw this show. I was like a little kid. It transported me back to like a six-year-old, seven-year-old. So it's a great experience, and it's a great family show, which is really fun. Like, you know, you can bring your boy, you can bring your girl, everybody can go and have a really, all really ages. Good time. Yeah. That's what's great about it. Mm-hmm. Yeah. Juste avant le retour, le back to school, juste avant le retour à l'école, ça va être parfait. Mm-hmm. If you want, Phil and I can jump again if you want. Yeah, you want? Yeah? Yeah. How's about no? Does anyone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On va être disponible pour des entrevues individuelles après cette conférence qui est bientôt terminée. Merci, Jason, Phil, Chris et Patrick. Vous êtes invités, tout le monde, dans les estrades, les médias. On a un photo booth à votre droite, par là. Vous pouvez mettre des accessoires, prendre des photos. C'est vraiment cool. Fait que juste ici dans le coin. Aussi, il y a les concessions qui sont ouvertes en haut sur la coursive. Et puis, on va prendre, pour les médias, on va prendre une photo de groupe à la fin d'un autre petit cours vidéo et un autre du pilote de motocross. On va prendre une photo de groupe et des individus, des photos. Oh oui, vas-y. Le 7 février à midi. Oui, exact. Sur le eventco.ca. Exact. Oui, eventco.ca. And hashtag Marvel Universe Live. C'est bon. Tout est là. Yeah. Universe Live. Yeah. I'm available for... Tous les super-héros sont uniques, mais pour la toute première fois, une seule mission va les unir lors d'un seul événement. Voyez Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et plusieurs autres récupérer la source du pouvoir ultime. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants et l'expérience n'a jamais été aussi grandiose. L'univers de Marvel en spectacle. Partenaire officiel Overstock. Right here, get ahead forward.